Hello, bande de promeneurs nocturnes, de joggeurs nus sous un ciel étoilé. Ici Zelk pour la suite du playthrough sur Fab Anniversary. Playthrough coop avec Gecko en alternance en notre site. Pour vous rappeler un peu les bases de ce playthrough. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, ouais, on va dire ça. Parce que bon, j'étais pas mal pris ces derniers temps. Et bon, voilà, la vie, c'est la vie. Et donc voilà, pris la sauvegarde. Et puis je me suis dit, bon, allez, on va s'y remettre un peu. Donc bon, normalement un peu moins de skill que j'ai d'habitude. J'espère que ça va bien se passer, chers amis. Ok, donc aussi j'ai vu la vidéo précédente de Gecko, qui m'a bien fait rire d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai dit Jogger News la nuit, parce que voir Gecko trimballer le cul de notre personnage avec juste son petit boxeur british, c'était juste magnifique. Ok, donc let's go, continuez la partie. Ok, temps de chargement. Donc chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, tout va bien, la vie est belle, les oiseaux chantent, les chats miaulent aussi. Oui, je sais, je t'aime aussi mon petit chat qui me fait les yeux doux là. Il a dit sûrement on doit avoir faim. Ok, donc voici notre beau petit personnage. Avec les mains en feu, c'est bizarre. Est-ce qu'on serait pas passé un peu du côté démoniaque? Enfin bref, c'est pas encore grave. Et, chers amis, cet épisode, c'est l'épisode de la révolution. Un bâton. Oui, et comme vous pouvez voir, le bâton tient tout seul dans le dos, c'est magique. On va libérer les prisonniers, et avec eux, on va créer la révolte, la zizanie, le Antonio, le bordel dans la prison, avec un gigot, bah oui, oui, pourquoi pas. Dans une prison, t'as des tonneaux avec des gigots. Ouvrez, on peut vous aider. Libérez-moi. Bon, chers amis. Premier principe, c'est récupérer notre stuff, parce qu'il va y avoir des gardes à la sortie, et ils sont pas farouches. Il n'y avait pas farouche, garde d'or. Il pas farouche, décor. Bon, bref, c'est de la merde. Je dis de la merde, c'est pas grave. Ok, donc premier objectif, est-ce que je peux avoir map. Compétence, non, il semblerait que non. Ah, 6 cartes. Non, moi je veux la petite carte. Non, je peux pas avoir de petite carte. Bon, fuck it. Ok, ça doit être sur la gauche. Ouais, c'est par là-bas. Regarde le mec, il baille en voyant. Aïe, aïe, aïe. Comme vous pouvez voir, il m'est très cher. Hein. Faut dire aussi que je suis à poil, ça n'aide pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a les autres glandus qui me suivent pour servir de bouclier humain. Ok. On va chercher nos affaires, chers amis. C'est l'heure de payer. Ouais. On va distraire les gardes pour s'échapper. Gants de garde, ok. Ok, donc tous les premiers coffres, ce sont des inventaires de garde, si je me rappelle bien. Et ici, ce sont notre inventaire. Et parce que les gardes, ils ont tout mis là-dedans, en mode, bon, rien à foutre. Retour en cellule. Comment ça, retour en cellule? Tu m'as déjà bien regardé, gamin. Ok, équipement. Tenue, s'il vous plaît. De plate noire. Retour en cellule, c'est ça? Non! Jamais! Debout! Et le petit loot qui va avec. Bon, on va en profiter pour ouvrir tous les coffres. Tant qu'à faire, ça peut toujours être bon. Ça, on aura un full stuff de garde. C'était pas beau, ça. On va distraire les gardes. On va faire régner l'ordre et ce genre de choses. Sauver la veuve et l'orphelin. Je vais faire ces gardes. Ouais, je suis plus d'accord avec eux. Tiens, d'ailleurs, on va leur donner des petits noms. Toi qui fais la petite tafiole, je vais t'appeler Philippette. Et toi, avec ta grosse voix, je vais t'appeler Jean-Hector. Philippette et Jean-Hector. C'est comme des Pokémon. Rien à foutre. C'est ma team. Ok, on prend les coffres. Full stuff de garde. Ok, on n'a plus qu'à sortir, payer quelques gardes. Et puis aller libérer la maman. On va libérer la maman. Moi, oui. Le chat qui me regarde. Putain, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Touche pas, Jean-Hector! Le multicoup! Allez, Philippette, bats-toi! Tiens le coup, Philippette, j'arrive! Non! Ils ont tué Philippette et Jean-Hector! Ma vengeance sera terrible! Me refuser ma liberté! Et
Il est en vie! Philippette est en vie, chers amis. Jean Hector. Un des deux, en tout cas. Tiens, je te heal. Tiens. Prends le heal. Le heal, il est bien. Morceau de tarte aux pommes. Ok, plus qu'à sauver la maman. Et on a un brave. Allez, Philippette, plus vite! Cette Philippette. Intérêt à tenir le coup, hein. Vite. On va distraire les gardes pour s'échapper. Voilà, la petite maman est libérée. Est-ce qu'il y avait rien dans ta cellule? Excepté des espèces de morceaux de trucs bizarres, des hachoirs. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse, bref. Into the freedom, chers amis. Pour la liberté. Ce n'est plus très loin. Oh, ce combo qui fonctionne toujours aussi bien. Philippette qui survit, mine de rien. C'est pas où ça? Ok, quelques tonneaux ici. Ah non, ils sont insensibles, oh mon dieu. Par là-bas, il semblerait. Dépêchons-nous. Un petit heal. J'aime bien ce son. Je vais me faire ces... Ouais. Dépêchons-nous. Oh, le petit coup de pied de Philippette. Oh. Respecte mes compagnons. Ouais, moi je tape les murs, rien à foutre. Complètement pété. Ok, petit de groupe. Voilà. Ce n'est plus très loin. Tiendra le coup, Philippette. Jusqu'à la mort, mon ami. Par ici, Philippette. Va chercher le bon heal. Voilà. Eh bien. Ok, on progresse, chers amis. On progresse. C'est le rush vers la liberté. Je sortirais bien une phrase de Brevard, mais je sais plus comment elle tourne. Ils peuvent nous enlever notre vie, mais nous en avons pas. Distraire les gardes pour s'échapper. Notre liberté. Oui, il y a bien un coffre ici que Gecko a dû oublier. C'est toujours plaisir. Une potion de santé, toujours bon. Allez, follow me into victory. Passe par ici. C'est un de mes grands souvenirs. Il y a une masse mort-vivant au-dessus. Et j'ai pas envie de me battre pendant 20 minutes à tuer des morts-vivants. Alors qu'on peut progresser et aller vers le boss. Oui, parce qu'il y a un gros boss qui nous attend, hein, parce qu'on peut pas rendre l'évasion trop simple. Hein, oui, hein. Exactement. Je tiens ma vengeance. Allez, Philippette. Non. Philippette. Ils ont tué Philippette, non. Tu te seras bien battu, Philippette. Rest in peace, bro. Hop, esquive du champignon bizarre, moche. On charge la tête. Trop de League of Legends ces derniers temps. Touché. Ah ouais, t'as vu ça. Ouch, ça fait mal, hein. T'as pris ta douille bleue. Allez, debout. Comment je suis venu? Bah écoute, c'est une longue histoire. Je me suis réveillé comme ça dans la cellule et hop, une clé. Voilà, magique, hein. Fini de me toucher dans le dos. Allez, debout. Ok. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils tombent tout le temps. On peut pas les enchaîner, hein, ces salopios. Reste pas derrière maman comme bouclier humain, toi. Ok. Voilà, la pose du brave.
Allez, on y est presque, on y est presque. Il s'est bien fait empaler, hein, lui. Ouais, pas mal, pas mal. Ok, et normalement, on devrait y être, si je ne m'abuse, chers amis. On devrait être sûr. Oh oui, ça y est, on y est. Chers amis, en direct pour la chaîne Gecko and Zelk Gaming, Zelk vous propose aujourd'hui son menu le plus frais, son poulpe royal. Le Cthulhu est présent. Quelle belle tentacule. Bon, dans mes souvenirs, ce boss n'était pas compliqué, chers amis. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est courir, attendre que les tentacules tombent, enfin qu'elles frappent le sol, entre guillemets, ou votre mère. Les DPS, une fois qu'elles sont au sol, et une fois que les 4 sont détruites... Hop. Ah, non, raté. Ça fonctionne pas comme ça, Zelk. Je crois que ces barrières sont reliées. Bah, il sait ça, tais-toi. Ok, donc je disais donc, une fois que les 4 sont détruites, et la grosse tête qui sort du sol, et à ce moment-là, il ne suffit plus que choper votre arc et défoncer la tête. Pendant que ma mère prend une sacrée vie. Oh oui, ça fait mal, hein. On va faire encore plus simple, on va mettre le multi-coup. Et hop là. Ouais, comme ça c'est le one-shot, ça me fait gagner un peu de temps. Faudrait que je prenne aussi le spell pour les flèches. Donc une fois que les tentacules sont détruits, la tête de sortir, on commence à monter l'arc. Et on le DPS. Très cher menton. Très cher. Bon, pour les enfants des 90s comme moi, normalement vous devez que. Voilà, on DPS tranquillement. Tranquillement. Allez, allez, direct dans la bouche. Oui. Ah, je peux faire encore plus simple, c'est mettre le bouclier magique. Comme ça, je prendrai même pas de dégâts pour le coup. Ok, même tactique, on reprend le multicoup, on attend les belles tentacules. Allez, viens par ici. Allez, allez, abats-toi s'il te plaît. Résistante. Ah, les deux qui viennent. D'accord, d'accord. Un peu de challenge. On va plus que deux. Challenge, le challenge n'est pas présent ce soir. Essayez. Je vais en faire des sashimi, moi. Il a pas l'air content. Ah là, le shield qui prend tous les dégâts pour moi. Bon, il va sûrement falloir esquiver la prochaine. Pas sûr. Maintenant. Ah, genre il me touche quand même. Alors, parce que moi je vois des potions en bandant un arc. C'est pas beau, monsieur le crabe. Pas le crabe, le poulpe moche. Or, il me touche. T'as vu où tu touches? Enfin, où tu tires avant de me toucher? Et une cheat! Haha! Fatality! Monster kill! Oh. Et voilà, chers amis. Un boss qu'on m'a mené, pas super compliqué. Et l'XP qui tombe du plafond, c'était pas beau. Plus qu'à ramasser les petits armes. Donc, pour les ramasser, par contre, il va falloir faire tout le tour. Mais bon, pour 200 points d'XP, ouais, j'en ai oublié, hein. Pour 200 points d'XP l'orbe, ça fait plaisir, c'est assez rentable. Allez. Et une et deux, et une et deux. Et mine de rien, en fait, on approche déjà vers la fin de la vidéo. Ben, chers amis, je pense qu'on va quitter la prison, passer à la guilde, prendre quelques points d'expérience, vous laisser aussi le scénar, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, hein. Le scénario, c'est toujours bien. Chargement. Le chargement qui est un peu longué. Ah.
Le désir de vengeance brûlait au fond de lui, et son destin était clair. Ouais. Jack avait plongé sa vie tout entière dans les ténèbres. Ouais, mais il est stylé, Jack of Dreams. Je l'aime bien. Il était responsable des tourments de sa sœur et de la captivité de sa mère. Bientôt, il disposerait du pouvoir absolu. Les images, je les trouve toujours aussi belles. Eh bien, il semble que tu aies bien tourné. Tu t'es plutôt bien débrouillé tout à l'heure. Merci, maman. Mais il reste encore tellement à faire. Et Jack qui s'approche de l'épée, je le sens. Ah, je veux pas savoir ce que tu sens. Il lui faut une clé pour accéder à l'épée dans sa cache. Et maintenant, il sait où elle est. Oh, la clé est à Oukost. Caché dans les ruines d'une vieille abbaye, tu dois d'abord aller là-bas. Mais on a un avantage. Il ne sait pas que la clé n'apparaîtra qu'à un membre de notre lignée. C'est déjà ça de prix. C'est pourquoi nous devons vite trouver ta sœur, avant que Jack puisse l'utiliser. Tu devrais aller à Darkwood, voir ce portail. Il doit y avoir un moyen de l'activer. Okay. C'est le seul moyen d'accéder à Oukost. D'abord, j'ai un cadeau pour toi. Tu possèdes en toi un pouvoir. Oh, je suis l'élu. Qu'est-ce que tu fais, maman? Maman, arrête. Ah, c'est... ah, cette posture et tout, hein. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de me pomper. Maman. Ça fait du bien, hein. Ah, oh, non, mais c'est quoi ce jeu? Désolé, chers amis, j'ai l'esprit un peu trop mal tourné. Je vais tenter de trouver Teresa. Bah, oh, dégueulasse. Ah, c'est ça, casse-toi. Bon. Dent de Kraken, hein, c'est de la belle dent déjà. Ok, continuez. La lignée, deuxième partie. Votre sceau de la guilde a été réactivé. Choisissez vos quêtes à la guilde. Oui, oui. Bon, chers amis, sur ce, vous je pense recevez que... Ah, il m'énerve, le maître de guilde. Voilà, tu te tais. Donc, je vais retourner à la guilde des héros, passer mon level up, prendre quelques... utiliser des points d'expérience, hein, tout simplement. Et puis, je vous ferai de gros bisous, hein. Parce que bon, la vidéo, elle file quand même. Elle file à grande vitesse. Mon Dieu, je ne vois pas le temps passer avec vous. C'est dingue. Allez, petit temps de chargement. Again. And again, and again, and again. Ok. Directement, expérience. Physique. Santé, parce que c'est toujours ça de bon. Et il me reste 18 000 points. Peut-être mettre un point en vitesse, ouais. Allez. Il me reste encore 17 000 points. Est-ce que je peux mettre des points en expérience? J'aimerais bien avoir la multifrappe, mais pour les flèches. Couleur infernale. Oh. Le nom est plaisant. Pom 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 pom. Vie, berserk, charge assassine, soin de vie, épée spectrale, pluie de flèches, voilà. Perfecto. On a encore des points, donc du coup, puissance magique et... quoi prendre d'autre? Berserk, augmentation. Oh baby. Voyons ça. On commence à être fat. Hulk pas content, Hulk smash. Bon, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à faire tourner à vos amis, ça fait toujours plaisir, hein, histoire de faire progresser un peu cette petite chaîne, histoire que ça devienne, ça commence à devenir rentable. Oui, il va se calmer un peu lui. Passe de cul, tu te calmes tout de suite. J'ai envie de faire des meurtres. Enfin bref. Chers amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Zelk. Ciao, ciao.